Ils sont polytechniciens, mais aujourd'hui, ils font leur entrée dans des collèges de ZEP du Bas-Rhin. Pendant 6 mois, ils vont évoluer au sein des établissements et s'engager dans des associations de quartier. Leur but, aider la population et surtout les bons élèves. Ils vont les guider, les accompagner pour leur permettre d'exploiter leur potentiel et pourquoi pas de s'orienter vers de longues études. Et on a commencé par 4 semaines militaires, parce que la Polytechnique, c'est une école militaire. Et à la fin de ces semaines militaires, on avait le choix pour un stage de 6 mois jusqu'à avril, donc pour commencer la formation. Moi, j'ai décidé de le faire dans le civil et en particulier dans un collège ici. Donc voilà, c'est mon stage de formation humaine qui s'appelle. Le but, c'est de découvrir un peu la vie des gens en France, simplement. Jean-Baptiste était au collège Erasme l'an passé. Il a donné des cours dans le cadre des cordées de la réussite. Oui, j'espère. On attend quelqu'un ce matin ? Non, en troisième. Quand on arrive dans ce stage, premièrement, on arrive dans la vraie vie. On sort de 2 ans de prépa, maths sup, maths spé pour passer un concours difficile. Et là, on arrive dans le quartier avec des élèves. C'est la vraie vie et ça amène à se poser pas mal de questions. Déjà, je pense que ça amène à se dire qu'en fait, on a eu de la chance d'arriver là où on est, qu'on a travaillé, c'est vrai. Mais qu'on a été aidé, on a été soutenu. Et ici, on va rencontrer des gens qui ne sont pas forcément soutenus, en fait, des élèves qui en ont besoin. Et on a l'occasion de leur proposer, en fait, ce soutien. Et ils vont pouvoir apprendre de nous, mais on va aussi pouvoir apprendre d'eux, de leurs difficultés et de leur quotidien. Par exemple, si en classe, on avait déjà fait un sujet et qu'on l'a compris, ils peuvent soit nous faire des exercices plus approfondis pour qu'on puisse aller plus loin ou carrément nous avancer dans le programme. Et je pense qu'ils nous montrent que même si on vient d'un collège en ZEP ou en Z+, et ben on peut quand même réussir et aller très loin dans nos études. Justement, toi, ton objectif ? Moi, j'aimerais être chef comptable. Et pour ça, il faut faire quoi comme études ? Faut aller en bac général et faire un bac économique et social et faire au moins un bac plus 5, je crois, oui. Pour donner des perspectives et favoriser les talents, ces 7 polytechniciens officieront dans 7 collèges classés en ZEP sur l'agglomération strasbourgeoise.